on est ready pour cette soirée sur Beyond Two Souls. Alors je ne sais pas trop où on en est dans le jeu. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'on a fui l'hôpital, parce que là où on était soigné, on avait pris un méchant coup sur la tête par... par des sales gosses, hein, par des jeunes qui étaient vraiment pas sympathiques. Et donc on va repartir là-dessus. Donc bienvenue, ceux qui suivent sur YouTube, bienvenue pour l'épisode 8. On va se mettre tranquille, on va se mettre bien, voilà, on va streamer tranquillement. Je vais peut-être pas me la faire trop tard aujourd'hui, mais en tout cas on va bien en profiter. Alors, juste, excusez-moi, je vais mettre un petit timer. Ça devrait être plutôt pas mal. Donc on peut dire qu'on est à une minute là pour le moment, donc hop, c'est parti, voilà. Comptez, j'enlèverai une minute au truc, donc on est tout bon. Donc, bienvenue. Alors, on est parti, on va redémarrer. Ouais, clique sur le jeu, voilà. Et on est ready, je ne sais absolument pas sur quoi on va tomber. Je présume qu'on va tomber sur un passage de Jodie enfant. On est go. Première nuit. Ah oui, c'est bon, je me rappelle, j'ai juste vu la scène au moment de couper la dernière fois. Ça va, je vois de quoi il va s'agir. Ce sera pas très long. Juste le temps qu'ils comprennent ce qui se passe. Maman, me laisse pas ici. C'est l'histoire de quelques jours. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y. Pas la peine de faire traîner les choses. Sois courageuse. Tu es forte. Je sais que tu es forte. Jodie, je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille. Mais ici, on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive. On trouvera un moyen de te protéger. Non, personne ne peut me protéger. Toutes tes affaires sont dans ce sac juste là. Cole et moi, on est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ça ne va pas, appelle-nous et on arrivera tout de suite. D'accord ? Bonne nuit, Jodie. Super. Franchement, génial les parents, trop bien. Bon, alors, on a été abandonné, ça c'est cool. Donc maintenant on va vivre dans cette chambre jusqu'au restant de notre vie. Il n'y a même pas de fenêtre, ça c'est quand même... On est complètement à l'isolement total, hein. C'est vraiment... Je peux m'asseoir là maintenant. Ah non, c'est... C'est space. Alors bon, déjà, juste parce que je sais que de temps en temps il y a des petits bonus... Youp là! Oh oh! Ça a commencé quand ces attaques? Sa mère m'a expliqué que ça durait depuis plusieurs mois maintenant. Au début, elle pensait que c'était de simples cauchemars et que ça finirait par s'arrêter. Mais elle s'est rendue compte que c'était plus compliqué que ça. Ces marques qu'elle a partout. On dirait des griffures ou des morsures. Regarde un peu l'emplacement de ses blessures. Elle n'a pas pu se faire ça elle-même. Mais ça ne ressemble pas à des maltraitances. Peut-être qu'elle dit la vérité. Peut-être que quelque chose essaie de la tuer. Quoi qu'il en soit, on peut dire que cette gamine a du cran. Oui. Elle a un profil psychologique très intéressant pour une gamine de son âge, ça c'est certain. Ouais. T'as l'air mort. Pas trop posé un peu, je...
Je reste de garde. Je te réveille à 3h, ça te va? D'accord. Bonne nuit, Cole. Bonne nuit, Nathan. On peut pas sortir de la pièce, non. Est-ce qu'on peut suivre Nathan? Ouais, je vais te bloquer. Ouais, je suis bloqué. Ok, au revoir Nathan. Est-ce que Cole va refaire quelque chose d'intéressant? Non, je pense qu'on en a fini avec Aiden pour ce côté-là. Donc de toute façon, je pense qu'à mon idée, on va devoir aller dormir. Parce que vu que Nathan il va dormir, bah du coup, on commence à être un petit peu tard. Faut que je trouve un endroit pour me changer. Na, 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 na. Alors je crois qu'il y a une salle de bain. Ouais. Parfait. C'est l'heure d'aller se coucher, Jody. J'espère qu'ils ont pas mis de caméra ici aussi. Ce serait malsain. Ce serait vraiment malsain. Na, 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 na. Ah, direct dans le plumard. Hein. Hop, comme ça. Hop, c'est bon, terminé, bonsoir. Au dodo. Merde, j'ai oublié le doudou. Ah, comment j'ai pu oublier le doudou. Allez hop, on va chercher le lapin. Monsieur Lapinou. On a oublié Monsieur Lapinou dans la valise. Monsieur Lapinou. J'ai dire, en fait, dans la valise, il y a juste Monsieur Lapinou. On va fixer Cole. Allez hop, on le fixe. Je te vois. Là à travers le... Youp là. Je te vois monsieur. Ah. C'est... Oh, je serais curieux de voir. Genre si je me déplace. C'est un truc que j'aime toujours bien vérifier dans les jeux. C'est quand ils mettent des caméras. Ouais, on voit la différence. Je suis dans l'angle mort. Il ne me voit plus. Il n'y a pas d'autre caméra. Ah, en fait, dans la chambre, on a le droit à notre petite intimité quand même. Donc ça va, c'est pas mal. Ah, pourtant, il y en a une en plein sur le lit. Hein. Je comprends pas comment on ne me voit pas, mais... Ok. Allez, hop, au dodo. Au dodo, Jody. Tu vas passer du temps dans cet hôpital, mais dans cette base. Non, j'ai pas chaud, moi, ici. Je vais éteindre la lumière maintenant. Bonne nuit, Jody. Attendez! Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. N'aie pas peur, Aiden. On va dormir tranquillement. Et il nous arrivera rien de mal. Bon, est-ce qu'il y aura encore des screamers ou pas? Je pense pas. Ouais, elle va s'endormir, à mon idée. Comme une bien heureuse. J'arrive pas à dormir, Aiden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. Oh oh. C'est cool ça. Aiden qui veille sur elle. Oula. Je vais aller voir ce qui se passe à côté.
Ouf, y a tout qui déconne. Oh putain. Oh, ça m'a trop fait peur. What the fuck, j'ai cru que... Réveille-toi. Bouge ton cul. Ouf, oh putain. Et elle... Et pourquoi est-ce qu'on l'attaque elle en fait? C'est ça la question. Je sais pas ce que je dois faire. Ah oui, ça va. J'y arrivais pas. Oh putain, oufti, mais la violence! Dégage! Eh, mais y'en a encore plus que dans. Parce que là, y'a aucune entité qui est sortie du portail et pourtant y'en a la blinde! Oh non, Jody! Appelle un médecin, vite! C'est bon. Tout va s'arranger. Aiden n'a plus peur des monstres maintenant. Putain, c'est terrifiant quand même. Hein. C'est terrifiant. Alors, pour ton argent, alors, Dawkins et parents non espionnés. On pouvait les espionner. Ça, je savais pas. Entité vaincue, oui. Et à réveiller Cole. Je sais pas si on pouvait faire autre chose, mais bon, c'était plus important de réveiller Cole que... Alors, une fille comme les autres. Je crois savoir voir quel chapitre c'est. Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, ouais. Juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jody. C'est vraiment pas juste! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va? C'est vrai, quoi. Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez. Et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jody. Il y a des règles. Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Ah ! Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Wow, violent la crise d'ado quand même. Violent. Merde. Bon alors, profitons un petit peu pour voir aussi comment elle a décoré sa chambre avec sa passe pré-ado là. Ah, on peut appeler Cole, on peut se mettre au lit. Ah oui, sacrée chambre, hein, c'est vraiment métal. Ouais. Alors, est-ce que... Ah ouais, non. Ok, ça va, t'es pas contente. Moi, je m'étais dit, mais ça va, elle est trop lit. On peut pas, mais non. Non, ça marche pas comme ça. Alors, y a quand même beaucoup de trucs, beaucoup de bordel. C'est vrai que c'est quand même un truc à devenir dingue, quoi, de s'enfermer là-dedans. Ah! Bon, bah, on va appeler Cole. Encore un samedi soir que je vais passer enfermé ici!
je veux, c'est sortir et m'amuser un peu. Je peux rien faire pour toi, ma belle. C'est le règlement. S'il te plaît. Sois sympa, Cole. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi sortir juste ce soir. Pourquoi tu serais obligé de tout raconter à Nathan? Je suis désolé, princesse. Mais ça sert à rien. J'obéis aux ordres. Bon, est-ce qu'il n'y a pas petit moyen de faire quelque chose avec Aiden? Bah, de toute façon, bah, il va le cramer. Nathan, enfin, il va le cramer. Genre, si je fais ça... Arrête un peu, Jody. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Tu peux pas sortir. Point final. Et bim! Je vais te péter un éclat, il s'en bat les couilles. Ça suffit. Ça ne t'apportera rien. Oh, si, je peux sortir. Ah non, fermé. Évidemment. Tu restes poli avec moi, Jody, d'accord? Ok, tu la joues comme ça. Ok, on va faire un peu de bruit. Hein. Là, il n'arrivera pas à dormir. C'est parti. Mais non, j'appuie sur X. Non, et rajoute la guitare. Non, fais pas chier. Pas parce que j'ai foiré un enchaînement, ça fonctionnait. Non. Ça marchait. Putain, merde. Ça marchait. Je peux rien faire avec les caméras. Oh, si je peux. Tu as fini? T'es fier de ce que t'as fait? Oui. J'espère bien, parce que tu vas devoir ranger tout sous toi. Suffit, Aiden. Arrête, ils en ont rien à foutre qu'on bousille tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. On va leur trouver autre chose si ça fonctionne pas. Oui, elle s'est calmée. Ah, on va prendre contrôle de lui. Ah. Et c'est violent quand même. Bon bah ok. Je suis vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... Tu me comprends, pas vrai? Freedom! Je dois sortir ce soir. La liberté, c'est important. Surtout qu'on en a les pouvoirs. Oh putain, il fait trop flipper! Oui, je sais, mais c'est trop tard pour faire marche arrière. Eh, on est au shield. Alors, département of paranormal activities, c'est ça. Fermé. Évidemment. Mais il a un badge, lui. Il peut passer partout. DPA. Jour. Genre c'est vide quoi. Genre on est dans un établissement du gouvernement. Et on s'en bat les couilles. D'accord.
qu'on se le dise, moi je parie que ça va mal tourner et c'est justement après ça qu'elle va se dire ah non, je sortirai plus. Hey, salut Cole, Jody. Il est pas un peu tard pour se promener? C'est une idée de Nathan. Il m'a demandé de m'entraîner dans le bâtiment D. Faut croire que mes journées sont pas assez longues pour toutes les expériences qu'il veut faire. C'est marrant parce que je viens de parler au professeur Dawkins et... Oui, il m'a appelé sur mon portable. Et... j'en sais rien, on dirait que soudain il a eu un éclair de génie ou un truc comme ça. Alors... J'aurais pas dû prendre ça. Il faut que je fasse une nouvelle expérience, mais bon, moi, j'en sais pas plus. C'est comme ça les scientifiques, ils cogitent sans arrêt. Oui. Quoi de neuf, Cole? T'as perdu ta langue? Il a plus de voix. Il a attrapé un virus, je crois bien. Alors, le pauvre, j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures. Ah alors... putain. J'espère que c'est pas contagieux au moins. Tu devrais aller te coucher si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Vous pouvez y aller. Le mec, alors, sans vouloir dire, il est vraiment, vraiment crétin, le gars. Bon, au moins, on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Il y a des caméras partout. Je ferais bien de pas trop m'éterniser dans le coin. Monte dans la voiture et ensuite démarre. Ah bah super, parce qu'en plus c'est nous qui conduisons. Super, cool. Tout est super génial. Ça va quand même faire bizarre de se dire, ah bah ça va, je suis possédé, mais tout va bien quoi. C'est sympa. Ok, alors. Tout ça c'est juste une petite sortie en soirée. Hein. J'ai possédé mon médecin, tout va bien, tout est cool. Tout, oh non, merde. Tout ça pour aller boire une petite bière. Je suis vraiment pas bien caché là. Ah, je sais. On va prendre la place du mort. Attendez, on peut choisir d'autres... d'autres... Non, mais non. On va prendre la place du mort. On va prendre la place du mort. On peut se mettre dedans? Franchement, si on peut... Oh, oui, on peut. C'est sûr, c'est pas une évasion très classe, mais... Mais on s'en fout. Allez, on y va, Aiden. Évite d'attirer l'attention, d'accord? Il n'a même pas tourné la tête. Pas salué, rien du tout. Ouais, donc j'ai carrément bien fait de me cacher en fait. Mais vas-y. Voilà. Coucou. Il va boire sa petite bière, c'est ça? Tu me pardonneras, hein. J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Aiden, emmène-le dans la forêt et veille bien sur lui. Ah, parce qu'en plus, je garde sous son contrôle, d'accord. Emmène-le dans la forêt et veille bien sur lui. Ouais, bon, ok. Je sais pas, moi je vais avancer. Est-ce que là je peux aller ou pas? Non, bon, bah ça doit être dans un de ces trucs-là.
C'est vraiment flippant. Bah. Allez, vas-y, emmène-le dans la forêt. Super. On est arrivé. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Ouais, donc... Ah, j'ai quand même Aiden. Mais d'où j'ai Aiden? D'accord, ok. Bon, la logique, faut pas chercher.